Salutations mes amis. Ceci est une carte du Burkina Faso. Le Burkina Faso est composé de deux grands types de paysages. La majeure partie du pays est couverte par une pénéplaine, qui forme un paysage légèrement vallonné avec, par endroits, quelques collines isolées, dernier vestige d'un massif précambrien. Le sud-ouest du pays forme en revanche un massif gréseux, où se situe le plus haut sommet, le Tenakuru, à 749 mètres d'altitude. Le massif est bordé de falaises abruptes pouvant atteindre 150 mètres de hauteur. L'altitude moyenne du Burkina Faso est de 400 mètres et la différence entre le terrain le plus haut et le plus bas ne dépasse pas 600 mètres. Le Burkina Faso est donc un pays relativement plat. Le pays doit son ancien nom de Haute-Volta à trois fleuves qui le traversent. La Volta Noire, ou Mouhoun, la Volta Blanche, Nakambé, et la Volta Rouge, Nazinon. La Volta Noire est l'un des deux seuls fleuves du pays qui coule toute l'année, l'autre étant le Komoé, qui coule vers le sud-ouest. Le bassin du fleuve Niger draine également 27% de la superficie du pays. Les affluents du Niger, Béli, Goriol, Goudébo et Dargol, sont des cours d'eau saisonniers et ne coulent que 4 à 6 mois par an. Cependant, ils peuvent toujours inonder et déborder. Le pays contient également de nombreux lacs, les principaux étant Tingrela, Bam et Dem. Le pays contient également de grands étangs, comme Oursi, Béli, Yomboli et Markoy. La pénurie d'eau constitue souvent un problème, notamment dans le nord du pays. Aussi, la savane proche du département de Gebomblora, sur la route de Gawa à Batié, est agréable. Le Burkina Faso se situe également au sein de deux écorégions terrestres, la savane sahélienne à Acacia et la savane soudanaise occidentale. C'est tout pour le moment. Merci pour votre attention. Veuillez commenter et vous abonner pour les meilleures cartes. Adieu.